Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici sur le campus de TBS Éducation pour cette vidéo consacrée à TBS Éducation justement. Et j'ai le grand plaisir pour ce faire d'accueillir Miguel Urdanos, qui est donc le directeur du PGE de TBS. On est en plein cœur des euros, bien évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Et l'idée, justement, si tu le permets, ensemble, c'est qu'on discute un petit peu de cet accueil admissible d'une part, et puis aussi de ce qui fait un peu la particularité de TBS Éducation. C'est une des écoles évidemment que nous on a dans le collimateur, parce que on sent la dynamique effectivement de manière générale de l'école. Et donc je voulais en parler avec toi et puis en profiter justement pour que tu puisses répondre un peu à toutes les questions que les admissibles se posent. Vous êtes très nombreux d'ailleurs, et merci de le faire, à nous poser des questions sur Instagram, sur TikTok, même directement sur notre newsletter. Donc on va pouvoir répondre à tout ça. Je te laisse peut-être te présenter dans les médias un peu plus simplement. Oui, Miguel Urdanos, je suis directeur de programme Grande École depuis mars de cette année. Je suis à l'origine espagnole, c'est pour ça qu'il y a cet accent, et super fier d'être le nouveau directeur de l'école. Très bien, voilà pour la présentation. Alors, je le disais, on est au cœur, là vraiment, en tournant cette vidéo, elle sera diffusée dans quelques jours, lundi. Donc là, pour le coup, beaucoup de candidats sur le campus, ça fourmille un petit peu derrière, on le voit un petit peu. Ouais. On a des très bons échos de manière générale de cet accueil admissible. Qu'est-ce qui fait pour toi le sel vraiment de l'accueil? Alors, on sait, il y a beaucoup d'admisseurs, effectivement, c'est peut-être un facteur. Est-ce que tu en vois d'autres? Il y a les admisseurs qui sont super importants. D'ailleurs, cette année, ils ont développé une série d'activités que c'est incroyable. En particulier, cette année, ils nous font un théâtre en pro qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Ils nous ont proposé cette année un thème qui est aussi top et qu'ils ont été capables d'implémenter partout. Et après aussi, on a la chance quand même d'être dans une ville ultra attractive quand même. Et on propose pas mal d'activités en dehors de l'école aussi qui sont extrêmement attractives pour l'ensemble de nos admissibles qui en général décident de passer, de profiter à la soirée pour pouvoir bien en profiter. Ce qui ressort aussi beaucoup des feedbacks qu'on peut avoir des étudiants, c'est le côté un peu coup de cœur. Alors peut-être la ville est un facteur, parce qu'effectivement, la ville de Toulouse est plutôt sympa, c'est une ville très étudiante. Là aussi, c'est peut-être pas tant à l'échelle de l'accueil admissible, mais de l'école cette fois-ci. Qu'est-ce qui, selon toi, justement, permet à ces étudiants de se sentir vraiment bien dans l'école? Il y a un facteur accompagnement qui revient beaucoup, peut-être. Alors, tu peux peut-être revenir là-dessus. C'est quoi un peu ton analyse de tout ça? Quand je discute avec... parce que pour savoir qu'est-ce qui attire les étudiants, il faut beaucoup parler avec nos étudiants, avec nos étudiants. Pourquoi ils nous ont choisi TBS? Et il y a deux raisons qui les attirent beaucoup. Il y a un, comme tu viens de le dire, c'est ces côtés. Il y a un côté proximité avec l'administration, proximité avec la direction. Moi j'insiste beaucoup dans les discours que j'ai fait chaque matin. Et je les vois après, pendant la journée, il y a pas mal d'admissibles qui viennent me voir, me poser des questions. Et j'adore qu'ils s'osent. Parce que quand même, au début, ils sont un peu stressés. Et en fait, je suis super content qu'ils viennent me poser des questions. Pour l'ensemble de nos diplômés, c'est quelque chose qui sort toujours. Nous, on essaye toujours de faire évidemment des enquêtes de satisfaction, mais ce qui est chouette, c'est aussi quand il y a des éléments externes qui vont faire ce type d'enquête, et ça va sortir aussi très, très, très fort. On a plusieurs classements. Il y a l'étudiant, par exemple, qui demande quelles sont les écoles qui accompagnent les mieux les étudiants pour trouver des stages ou en général pour trouver un emploi. Et là, on est troisième de France. C'est pareil quand on demande, est-ce que vous conseillez quelqu'un de votre entourage, un ami ou quelqu'un, de faire la même école que vous avez fait? Et pareil, on est troisième. Et ça, c'est top, en fait. Et le bien-être des étudiants, pour nous, c'est un de nos piliers. En fait, c'est un de nos piliers. On construit nos parcours. On fait la plupart de nos choix stratégiques autour de ça, parce que c'est un de nos quatre piliers. Et on a aussi un classement dont on est très, très, très fiers, parce qu'il y a un classement qui s'appelle Happy at the School, qui fait des enquêtes sur ça, sur le bien-être des étudiants au sein de l'école. Et toujours, on est placé dans les tops. Cette année, on est quatrième. L'année dernière, on était troisième, par exemple. Et c'est très important. Donc, tous les classements convergent, vous êtes autour du top 5. Toutes les mesures qu'il y a par rapport à la proximité de l'école et les étudiants, ça sort toujours extrêmement fort, extrêmement positif. C'est ça. Oui, donc vous le prétendez, mais c'est aussi étayé des classements ça se ressent. En tout cas, nous, c'est vrai quand on discute avec les étudiants, cette idée d'accompagnement. J'aimerais te parler aussi de la dynamique de l'école. Peut-être juste avant une question quand même pour boucler sur ce sujet accueil admissible. Bien sûr, alors c'est sympa, il y a une bonne ambiance, mais il s'agit quand même de convertir l'admissibilité en admission. Ouais. Vous êtes une école qui est particulièrement sélective aux oraux, donc faut quand même. C'est surtout aux oraux que ça s'est fait. Ouais, c'est ça. Faut y aller quand même pour convertir.
En particulier, vous avez ce fameux article pour l'entretien qui peut faire peur. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de faire jurer de l'autre côté pour TBS. Au contraire, je trouve que c'est un super exercice parce que ça permet vraiment au candidat de se révéler d'une autre manière. Mais c'est quand même quelque chose d'assez anxiogène pour beaucoup de candidats. Est-ce que tu as quelques préconisations, conseils à donner aux candidats? Déjà, l'entretien chez nous, ce n'est pas pour mesurer les niveaux. Pour ça, il y a eu déjà une épreuve écrite et c'est ça qui a permis de fixer si quelqu'un pouvait venir passer l'entretien ou pas. Ça, c'est la première chose à savoir. L'article, pour nous, c'est d'abord, il y a un côté, c'est moi qui a fait les choix des articles, d'ailleurs, c'est moi les responsables et les coupables. par exemple, on a 11 articles qui viennent de nos professeurs. C'est 11 articles de divulgation scientifique et du coup, c'est pour nous important de montrer, parce que ça va être présent pendant toute la scolarité. C'est bien que ce soit à l'entrée, comment la recherche doit impacter sur le management et pourquoi pas le montrer, du coup, profiter déjà dès l'entrée des liens. Vous voyez, parce que vous avez un gros corps professoral de recherche à TBS. C'est une possibilité déjà de les montrer. Les autres articles, les choix, c'est surtout fait pour donner plein de sujets qui normalement, typiquement, intéressent nos admissibles. Et l'idée des choix de l'article, c'est surtout pour faire un lien avec la personnalité. On ne cherche pas à connaître est-ce que le candidat connaît absolument toute l'information sur l'entreprise, sur les cas ou sur les pays. Non, c'est surtout pourquoi vous avez choisi cet article. Qu'est-ce qui vous attire? Parce qu'il y a 30 pour choisir. Est-ce que vous pouvez faire un lien avec votre vie, avec votre parcours, avec comment vous imaginez votre vie après? Parce qu'à la fin, l'entretien chez nous, c'est surtout pour connaître les candidats. En fait, du coup, il n'y a pas de mauvaises réponses. Là, j'espère, je rassure les admissibles, parce que pour connaître quelqu'un, on demande qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Et là, il ne faut pas... Énormément de fois, les candidats, ils s'imaginent que nous, on attend une réponse. Une réponse comme, par exemple, à dire « Mon rêve, c'est d'intégrer TBS ». Si c'est vrai, évidemment, il faut le dire. Évidemment, il faut le dire. Mais si encore on hésite, parce que les candidats sortent des classes préparatoires, encore ils découvrent, et ils ont la chance d'avoir cette tournée dans laquelle ils peuvent visiter plein de villes, plein d'écoles, et à chaque fois ils sont reçus aux portes ouvertes, venez chez nous. Ils peuvent dire honnêtement, j'attends de faire ma tournée, je n'ai pas fini, pour me faire un avis. Aujourd'hui, TBS Éducation m'attire pour tel et tel point, mais aujourd'hui encore, je ne suis pas sûr. Je préfère une réponse comme ça, et c'est ça aussi dans les instructions qu'on a à nos jurés, plutôt que de me construire un faux parcours, c'est mon rêve, et on gratte, on pose des questions, on voit que c'est faux. Là, on va être pénalisant. Par contre, quelqu'un qui nous donne une réponse honnête, je ne sais pas aujourd'hui, et je vais voir à la fin, on ne va jamais pénaliser ça. Voilà. Ok, donc privilégier l'authenticité, la sincérité dans tous les cas. Oui. Bon, c'est clair. Donc je reviens sur cette idée de dynamique. Alors, tu as cité effectivement quelques classements où en fait vous étiez déjà très bien classé. Oui. Si on prend les classements un peu plus généraux, là où vous êtes en nette progression, donc que ce soit les classements internationaux, les classements nationaux, bon, globalement ça converge, vous êtes en train de monter. Et nous, on le voit aussi, notamment via les messages qu'on reçoit, beaucoup d'étudiants qui nous disent « Ah, j'hésite entre TBS et une école a priori mieux classée au CIGEM, parce que c'est le classement évidemment que les préparateurs regardent le plus. » Donc voilà, on sent bref cette dynamique. C'est quoi pour toi les facteurs? Donc tu as dit un peu les fondamentaux, les points forts, mais comment t'expliques cette progression? Alors, ça fait 3 années qu'on fait que monter, basiquement, que ce soit les classements nationaux ou internationaux. Et c'est, pour moi, c'est une chance, prendre les postes, en sachant que j'ai pris une école qui monte, et ça, c'est top. Et en fait, j'ai déjà dit, c'est ce côté d'accompagnement des étudiants, ça ressort toujours super fort. Il y a un autre élément que nos étudiants, ils lisent toujours, et ça les a attirés, mais ça attire nos étudiants, et ça attire aussi nos professeurs, et ça nous aide à recruter d'excellents professeurs. Tous nos campus sont en centre-ville. C'est quand même important. C'est plus facile de recruter un professeur. Toulouse, Paris, Toulouse, Paris, Barcelone, Casablanca. Casablanca aussi, Et après aussi, je crois que c'est un signe de l'ambition de l'école. Tous les campus, soit ils ont été déjà totalement refaits à neuf, soit ils vont sortir bientôt. Barcelone, on l'a refait, on a triplé la surface en restant en centre-ville et on a triplé la surface il y a un an et demi. À Casablanca, les nouveaux campus seront en février et pareil, on triple la surface. À Paris, les travaux commencent après les JO pour renouveler, et pareil, on est au 15e. Et Toulouse, on va rajouter 10 000 m², on va rajouter énormément d'installations sportives. Là, les travaux, ils vont mettre plus de temps. Là, ça va pas être immédiat. C'est un immense projet pour le coup. Les travaux commencent dès cet été, de la fin du concours. Et déjà pour la rentrée de septembre, il y a un étage ici dans l'immeuble qui sera totalement refait. Ça va nous permettre de tester avec nos étudiants, parce qu'on a fait déjà des groupes de travail, qu'est-ce qu'ils entendent avec nos professeurs sur des nouvelles méthodes pédagogiques. Et ça va nous permettre de tester sur les terrains, est-ce que vraiment les projets que nous envisageons pour dans
trois années, parce que la fin des travaux, ce sera trois années. Est-ce que ça correspond ou pas? Ça va être notre premier test nature. Ça montre l'ambition de l'école. Et il y a quelque chose que j'ai dit, parce que chaque matin, je suis en train de recevoir 200 et quelques candidats, ouais. C'est vraiment impressionnant. Et je leur dis à chaque fois, vous êtes en train de choisir votre école, c'est un énorme challenge quand même, il faut bien réfléchir. Et moi, je leur dis, il faut imaginer où sera votre école dans 3-4 ans. C'est ça les challenges, c'est pas ouais. Où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui. Moi, j'ai la chance de pouvoir dire, ben, nous, on est une école qui monte, on fait que monter. Le dernier classement de Parisien qui était sorti il y a 15 jours, je crois, ou 20 jours, nous, on est classé 9e, juste devant Enquête, juste derrière Audencia, et on n'a fait que monter. Et normalement, et c'est ça aussi ouais, c'est que ça. Je vais faire, on va continuer à monter. Et ouais, du coup, c'est ça que j'ai dit à nos candidats, pensez à où sera votre école dans 3-4 ans. Oui, ou même dans 10 ans, quand vous serez en évidemment. Situation. Ouais, bien sûr. Mais c'est sûr. Surtout quand ils vont sortir dans les marchés de travail, là, ça va être... Ça va être absolument déterminant, ouais, c'est clair. Donc, très clair pour ça. Bon, désolé pour le petit son là, qu'on entend, mais bah, on ne nous a pas menti, c'est la cabine admissible, donc il y a les annonces au micro. Donc, je voulais revenir... donc, tu as parlé effectivement du campus de Barcelone. Donc, oui. Là, c'est pas du futur, c'est du passé quelque part, puisque vous avez déjà acquis un gros bâtiment, enfin vous louez il me semble, mais bon, vous avez un gros bâtiment à Barcelone, voilà, j'ai eu l'occasion d'y aller au cours d'une sacrée vidéo que vous pouvez retrouver sur Major Prépa, on mettra le lien dans la description bien sûr. La nouveauté pour cette année en revanche, c'est que ce campus sera accessible dès la L3. Oui. Ça c'est quelque chose qui n'était pas connu jusqu'à présent. Alors nous, en fait, l'esprit de notre parcours, on devait avoir en même temps un parcours qui est presque totalement personnalisable. Okay. Chaque candidat va construire son propre parcours. Et en même temps, il faut garder des points communs. Parce que quand on vient dans une école de commerce, on cherche les réseaux. Et qui dit réseau, c'est d'abord sa promotion, connaître sa promotion. Mm-hmm. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on a imposé que la L3 s'est passée à Toulouse pour toute la promotion. Et à partir de la L3, il pouvait partir partout. Même si déjà il y avait des choix, on pouvait faire en anglais, en français, il y a certains parcours pour faire les choix. Mais quand même, ils s'étaient tous passés à Toulouse pour se connaître. Cette année, pour la première fois, on ouvre la possibilité de partir à Barcelone que des deuxièmes semestres. On garde les premiers semestres parce qu'on veut avoir ces moments de vous êtes tous ensemble, vous allez vous rencontrer, vous allez vous connaître, et après vous allez partir. Pourquoi on propose Barcelone? Parce qu'en fait, il y a des étudiants qui souhaitent, par exemple, faire l'alternance. Mm-hmm. Et quand ils font l'alternance, ben, du coup, partir à l'international, ben, c'est pas... Une fois qu'on rentre dans l'alternance, on ne peut pas partir à l'international. C'est très difficile. Ouais, et certains cas, mais c'est extrêmement rare. Et pour nous, bon, moi, par exemple, je suis étranger. L'international, c'est extrêmement important. Et du coup, on voulait donner cette chance. Du coup, ça va faire que pour, par exemple, ceux qui vont faire de l'alternance, ils vont avoir la possibilité de faire un semestre à l'international. Ça va faire pour ceux qui ne souhaitent pas faire de l'alternance, que maintenant, au lieu de faire 200, voire 300 à l'international, ils vont pouvoir faire tout sauf un semestre. C'est qu'en fait, à la fin, ça va faire qu'un réussir. Du coup, l'offre à Barcelone, évidemment, c'est en anglais. On propose évidemment l'anglais aussi à Toulouse, mais les cours à Barcelone se font en anglais. Il faut savoir que dans les campus de Barcelone, on a un public qui est très international, parce que déjà on recrute des candidats en Espagne et aussi pour tous nos programmes exchange avec toutes nos universités partenaires partout dans la planète. Nous, on propose l'ensemble de nos campus quand ils viennent nous visiter, tous les étudiants. Évidemment, il y a pas mal qui sont intéressés par les campus de Barcelone. Oui, bah, qui est quand même plutôt sympa, on va pas se mentir. Donc voilà, cette possibilité-là, donc, qu'on comprenne bien, L3, c'est la première année post-prépa, donc ça veut dire deuxième semestre. À partir de janvier, j'intègre TBC Éducation en septembre 2024. Oui. En janvier 2025, je suis à Barcelone. Voilà. Peut-être revenir sur cette notion d'alternance aussi. Oui. Vous êtes une des écoles qui proposait le plus de places en alternance, notamment en dernière année, donc en M2. Ouais. Pourquoi ce parti pris, tout simplement? Ben en fait, pour nous, parfois, les candidats les sortent avec un point fort pour nous, l'offre d'alternance. Pour nous, le point fort, ce n'est pas l'offre d'alternance, c'est l'effet que l'école s'est adaptée aux besoins des étudiants. Nous, on a été capable de monter énormément les places en alternance parce que nos étudiants les demandaient. Du coup, on a dit, ben, il faut y aller. Aujourd'hui, dans les top 10, on est l'école qui propose de loin les plus de places en alternance. Il y a plein qui limitent énormément. On comprend pourquoi ils limitent. Parce que c'est vrai que pour nous, ça nous complexifie beaucoup la vie. La vie, ça serait beaucoup plus simple si on n'avait pas l'alternance, mais pour nos étudiants, c'est important. Du coup, on a développé énormément l'offre, particulièrement au Master 2. En fait, au Master 2, basiquement, peu importe ce que nos candidats, en fait, nos étudiants nous demandent, ils vont tous avoir une place en alternance, c'est sûr. Et aujourd'hui, que ce soit en finance, en marketing. Oui. On peut avoir parfois des petits ajustements, parce que, par exemple, cette année, ça nous est arrivé, campus de Paris.
On a eu plus de 120 étudiants qui ont demandé les parcours finance à Paris. On a dit, ben là, on est obligé de bloquer un peu parce que c'est trop par rapport aux capacités des salles, en plus avec les travaux qu'on a. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer une autre MSI aussi en alternance. C'est sûr, c'est garanti, ça sera en alternance. Mm-hmm. Ça va être soit une autre branche dans la finance, soit quelque chose qui est extrêmement proche. Voilà. Mais du coup, ils sont tous sûrs qu'ils vont pouvoir faire la dernière en alternance. Ouais, d'accord. Donc, vous adaptez vraiment aux demandes. Et donc, là, tu as répondu un peu en filigrane. Tu peux le faire à Toulouse. Tu peux aussi le faire à Paris. C'est là l'intérêt d'être. On propose même Barcelone. Et Barcelone, oui, effectivement. Ce qui est assez atypique, puisque la tendance est très franco-française. Oui. On propose un MSI parce que tous les étudiants, à la fin des études, ils vont être double diplômés. Et du coup, ils doivent choisir un Master of Science. Et, quand ils sont en alternance, il y a un qu'on propose à Barcelone. Parce qu'il y avait la demande. Il faut quand même que les contrats soient en France, parce que c'est la loi française qui permet, et du coup, ça va être des entreprises qui sont basées en France qui vont permettre d'avoir accès à l'alternance. Mais les cours vont être suivis à Barcelone. L'idée, c'était que quand on a des étudiants qui sont, imaginons par exemple, surtout installés dans des entreprises qui sont dans les bassins méditerranéens, c'est presque plus simple d'aller à Barcelone. Oui, et en même temps, ça donne envie à l'international en même temps qu'on fait son scolarité. Et en général, c'est assez demandé. On a chaque année entre 30 et 40 étudiants qui décident de suivre la dernière année en alternance à Barcelone. Ah, d'accord, ouais. Donc c'est pas négligeable, effectivement. Non. Okay. Sur cette dimension internationale précisément, donc on a parlé des campus à l'étranger. Là, c'est vrai que vous, le côté très atypique, c'est que vous avez quand même tout l'arc méditerranéen et puis. Là, des campus en plein centre-ville, là, bon, il faut y aller, mais voilà, il y a beaucoup de campus parfois qui se situent, bon, on te dit que c'est dans le centre, enfin, que c'est dans la ville, mais en fait, là, pour le coup, c'est plein centre. Certes, vous avez aussi beaucoup d'accords universitaires, donc soit en double diplôme, soit pour des échanges un peu plus classiques. C'est quoi un peu vos stratégies et votre nouveauté sur les partenariats internationaux? On sait que c'est une dimension là aussi très structurante. Les stratégies, déjà, on va toujours chercher des partenaires qu'on essaie qu'ils vont avoir toujours, idéalement, les trois accréditations, parce que nous, on a une école triple accréditée. Du coup, c'est une façon de garantir. Voilà. Donc ça, c'est les accréditations internationales qui garantissent la qualité académique. Oui. Et du coup, c'est un des critères typiques quand on va signer un partenariat. D'abord, on va regarder, est-ce qu'ils ont des accréditations? Si oui, lesquelles? Okay. Est-ce que c'est les mêmes que nous? Si c'est des autres, est-ce qu'ils sont comparables? Comment? On va toujours chercher, c'est quoi c'est important à les souligner parce que c'est pas toujours là non, on va essayer de chercher toujours des partenariats d'égalité. C'est-à-dire, on va jamais accepter un accord dans lequel l'université partenaire demande à nos étudiants de payer quelque chose en plus. Okay. Nos étudiants vont payer nos frais de scolarité, les étudiants qui vont nous visiter vont payer les frais de scolarité de leurs écoles. Comme ça, pendant l'ensemble de leur scolarité, ils connaissent combien ils vont dépenser en frais de scolarité. Donc je vais n'importe où en échange à TBS Éducation, je paye 0 euro supplémentaire. Non, on paye les frais de scolarité de Toulouse. Ce qui fait que, par exemple, il y a des partenariats qui sont particulièrement avantageuses pour nos étudiants. Par exemple, tu pars aux États-Unis, aux États-Unis, par exemple, aller à l'Université of Cincinnati et rentrer avec un MBA. Les prix d'un MBA, c'est autour de $35,000, quelque chose comme ça. Sauf qu'on a payé les frais de scolarité à Toulouse. Pareil avec Georgia State, et on a des partenariats comme ça partout dans la planète. Et ça, je me suis rendu compte en discutant avec nos étudiants que c'était un point fort qu'on ne soulignait pas trop. Et que nos étudiants ont dit, mais en fait, c'est rare de faire ça. Et pour nous, c'est très important, c'est quand on signe un partenariat, ben, on est identique. En fait. Du coup, pourquoi faire payer plus un étudiant qu'un autre? Normalement, ça va être... Et ça fait aussi qu'il y a des partenariats quand on va à des pays qui sont plus en voie de développement. Pareil, on ne va pas les faire payer plus pour venir chez nous. Ça serait quand même pire. Et donc, sur l'offre globale, vous avez combien de partenaires actuellement? 160, et c'est toujours grandissant. Après, pour les doubles diplômes, on doit avoir une quarantaine d'institutions dans la planète dans lesquelles on propose un double diplôme. Et les autres, on peut passer un semestre ou une année ou presque en excès. Et donc, on peut partir sur toutes les régions. On a nommé les États-Unis, mais on a par exemple des doubles diplômes. Déjà, pour les doubles diplômes, on peut revenir à un double diplôme marketing en Chine. On a évidemment toute l'Europe, mais on a aussi Séoul, on a l'Australie, on a Hong Kong, Singapour, toute l'Amérique. Moi, je peux dire toute l'Amérique centrale et du Sud. Oui. OK, bon, très clair pour ça.
Alors, une autre nouveauté aussi, là, c'est quelque chose qui... Alors, en plus, moi, ce matin, j'étais à la conférence de presse qui parlait de ça, donc je suis assez content d'en parler. Là, vous avez signé un partenariat d'envergure avec les trois gros clubs sportifs de Toulouse, hein, donc le club de foot, de rugby, bon, qui est particulièrement connu, le handball, pour structurer une offre autour du management du sport. Oui. Votre ambition, c'est de devenir l'école de référence sur le management du sport, du moins dans le paysage français. Et donc, pour les étudiants du PGE, concrètement, ça veut dire une spécialisation sur le management du sport, la gestion d'entités sportives, de clubs, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Parce que voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par le management du sport de manière générale. Oui, oui. Voilà, un peu de contexte. Oui, alors nous, on propose déjà plus d'une trentaine de messies en interne, des spécialisations, et on a voulu rajouter les sports. Déjà parce que on avait plein de choses qui existaient, mais simplement, ce n'était pas structuré. On avait, par exemple, on recevait déjà plein d'anciens rugbymen, on a plus de 200 qui étaient déjà formés chez nous, et pareil avec des anciens footballeurs, mais il n'y avait pas un cadre structuré avec nos nouveaux partenaires. Et même, on a des messies qui ressemblent un peu, même si c'est pour d'autres domaines, parce qu'on a des messies qui sont sectoriels. Par exemple, on a un même messie, on peut penser à celui des management des activités culturelles, qui est très spécifique, ou l'aerospace, qui est vraiment unique chez nous. Mais on a voulu construire les sports. Parce que déjà, on avait ces entreprises, oui, en fait, les clubs, c'est des entreprises avec lesquelles on travaillait déjà, et les formaliser. Pourquoi? Parce qu'on cherche à aller plus loin. On cherche à aller plus loin, ça veut dire parfois avoir des horaires qui sont encore plus aménagés, même qu'avec l'alternance. On est en train encore de construire la fin. On a déjà les accords signés avec ces trois partenaires, évidemment, on va signer d'autres, et on est en train de construire l'offre, parce que les Messi va ouvrir à partir de 2025. C'est-à-dire, ça sera pour les promotions qui rentrent maintenant. On cherche un public français, mais on cherche aussi un public international, parce que ça, on sait que ça attire de partout. Oui. D'ailleurs, on proposera des cours en français, on proposera aussi des cours en anglais. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, je pense que ça répond bien à la question, effectivement. Mais ouais, de toute façon, on rédigera un article à ce sujet-là, donc voilà, évidemment, c'est nouveau, donc il faut se projeter là-dedans. Mais ouais, effectivement, en tout cas, ça répond en tout cas à une vraie demande, nous, qu'on a des étudiants qui, beaucoup, sont déçus d'avoir laissé le sport pendant 2 ans. Pas uniquement que les étudiants, c'est aussi les clubs, en fait. C'est les clubs qui étaient super intéressés à signer ce type de partenariat avec nous. Parce que pour ces joueurs, les sportifs de haut niveau, super important de comment construire la suite. Et c'est là qu'ils viennent nous chercher pour dire, vous, avec vos cours, avec votre parcours international que vous proposez, qui énormément de fois correspond aussi au parcours international des joueurs, en fait, la plupart ils sont passés par plusieurs pays, du coup ça peut matcher parfaitement. Et même pour nos étudiants, il peut y avoir ces côtés, il y a les côtés, parce que c'est très très large les sports, on pense à la gestion des clubs, comme tu as dit, on peut penser aussi à la gestion des carrières des sportifs, mais on peut penser aussi à tous les énormes business qu'il y a autour en termes des médias, en fait, que ce soit télé, plateforme en général, en termes de merchandising. En fait, on a déjà des accords depuis ultra longtemps avec, je ne sais pas s'ils sont là, mais parce qu'ils ne sont pas tous là, mais par exemple avec Adidas, on a un partenariat qui vient de très 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 loin, qui cherche toujours à côté plus d'étudiants de chez nous. Du coup, il y avait déjà ces liens avec les sports, en fait. Oui, c'est ça. Donc, vous avez plus structuré quelque chose qui préexistait, c'est ce que tu expliquais. Ouais. Si on desserre aussi un peu la focale, donc, ce qui est atypique, je trouve, c'est que, évidemment, vous avez des spécialisations en finance, en marketing, ça, on va passer des portes ouvertes. Effectivement, mais vous êtes l'une des écoles, à ma connaissance, qui a l'offre de spécialisation, donc de MSc, parce que vous donnez un diplôme à part, effectivement, la plus riche. Alors, peut-être revenir sur les plus atypiques. Alors, il y a aussi ce que vous faites en interne, et puis il y a les doubles diplômes externes, en quelque sorte, on va dire, avec d'autres partenaires de la région. Donc, vous avez des écoles d'ingénieurs, vous avez Sciences Po Toulouse. Bon, enfin bref, je te laisse dresser un partenariat. Les étudiants chez nous, ils vont tous être double diplômés, diplômés des Master in Management. Et c'est pour ça qu'il y a ces parcours communs et imposé, parce que pour nous, ces parcours communs, c'est important pour l'esprit promotion, comme ça, ils vont bien s'y connaître. Mais c'est aussi important pour nos partenaires, pour garantir la qualité. On garantit à tous nos partenaires, et c'est pour ça qu'ils signent des partenariats, ils veulent avoir plus d'étudiants de chez nous, parce qu'on garantit que tous nos étudiants vont avoir un certain hard skills, soft skills, qui sont garantis. Voilà. Et ça, c'est les diplômes Master in Management. Et après, on a plus d'une centaine de doubles diplômes, et c'est là que l'étudiant va choisir quel est le double diplôme de leur rêve. Nous, en interne, on propose une trentaine.
Et là, j'ai nommé un management des activités culturelles. Bientôt, il y aura aussi celui lié au sport. On a aussi l'aerospace qui est vraiment très, très demandé, surtout à l'international, parce qu'on est basé à Toulouse, c'est la capitale européenne de toute l'industrie aéronautique. Et on propose des messies parmi les trentaines. Il y a à Toulouse, à Paris, à Barcelone, à Casablanca, en anglais, en français, en franglais, en alternance, pas en alternance. Et après, on a tous les doubles diplômes, parce qu'au total, plus d'une centaine, ça fait beaucoup, tous les doubles diplômes, comme on a dit tout à l'heure, des universités partenaires internationales et nos universités ici. Et là, par exemple, on a les étudiants qui intègrent TBS Education, ils peuvent être, avoir ces diplômes de Master in Management, mais aussi être ingénieur en même temps. On a deux accords pour deux diplômes différents avec l'INSA, mais on a aussi deux accords avec l'ENAC, l'École Nationale de l'Aviation Civile, parce qu'à nouveau, pas que l'industrie, toute la partie éducation liée à l'aéro et à l'espatial sont tous basés à Toulouse, ce qui nous permet d'avoir des partenariats qui sont très, très, très intéressants, sont très demandants aussi intellectuellement. C'est dur, il va falloir faire des années chez nous, deux années en école d'ingénieur. Il va falloir travailler, mais les étudiants qui les font sont extrêmement satisfaits. Mais il n'y en a pas que côté ingénieur, on a aussi d'autres, on est avec l'Institut à Pourpin, mais on a aussi par exemple à Sciences Po, qui est aussi c'est un des plus demandés côté lettres, même s'il y a aussi d'autres, au côté sciences sociales. À Sciences Po, c'est très 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 demandé, c'est aussi assez exigeant parce qu'il faut, pareil, il faut faire deux années chez nous, deux années dans Sciences Po, mais les étudiants qui arrivent à les faire, ils sont extrêmement satisfaits parce qu'avoir ces doubles compétences, c'est vraiment très 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 riche en fait. Oui, d'accord. Donc, c'est ça, tu peux avoir un parcours relativement classique ou tu peux, on te permet de sortir des sentiers battus avec beaucoup de partenaires, effectivement. Ouais. Tu l'as dit aussi peut-être sur l'université, je crois, dès la première année, tu peux partir soit en droit, éventuellement, en humanité. Oui. On a aussi langue appliquée, en philosophie, si je me souviens bien, on en a plein. C'est ça, donc c'est très très riche, y compris dès la première année. Oui. Je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais te demander. On a déjà dressé un gros panorama de ce que vous proposez. Peut-être un dernier mot, là on l'a dit au cœur des euros, là ça s'entend encore un petit peu, mais qu'est-ce que tu veux dire simplement aux étudiants? Il y en a déjà une petite partie qui ont déjà foulé les pieds effectivement du campus, d'autres qui vont arriver dans les jours ou les semaines à venir, on va dire. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils sont quand même confrontés à un choix qui va être lourd de conséquences quelque part. Il faut bien sûr pas trop rendre ça anxiogène, hein, dans tous les cas, vous allez intégrer des très bonnes écoles. Mais bon, malgré tout, c'est quand même un choix qui va être déterminant pour la suite de leur scolarité, voire de leur parcours. Qu'est-ce que tu veux dire tout simplement à ces étudiants qui sont à la croisée des chemins? Mais je vais leur dire qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'ils vont tous trouver une école de commerce. Ils vont tous trouver une école de commerce. Et l'objectif, là, c'est de faire un bon match, c'est-à-dire trouver l'école dans laquelle on se sent le plus identifié. Trouver l'école dans laquelle on croit qu'on va, être heureux. Parce qu'à la fin, l'objectif, s'ils se sont battus pendant deux années, c'est pour intégrer une école de commerce. Et à la fin, c'est pour trouver un poste de travail dans lequel ils vont être heureux. Du coup, c'est ça, à la fin. Il ne faut pas... évidemment, il y a certains candidats qui vont avoir des déceptions par rapport au choix, mais il faut pas s'inquiéter parce qu'en plus, la vie est faite des schémas qui vont changer. Moi, quand j'avais les rages, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas être professeur. Aujourd'hui, je suis professeur et j'adore mon travail. Alors qu'à l'ERA, j'aurais dit, mais jamais de ma vie, je vais être professeur. Du coup, il ne faut pas s'inquiéter parce que les écoles de commerce et nous en particulier, on ouvre tellement de portes, tellement de possibilités qu'en fait, ils vont venir pour tester. Et il faut pas. C'est après deux années de prépa où on n'a pas de choix, tout est imposé, ça peut paraître, j'ai pu comprendre que ça peut paraître presque un peu compliqué, mais en fait, une fois qu'ils vont découvrir, ils vont vraiment aimer. Et on les voit c'est vraiment une fierté que j'ai de voir nos étudiants à nous. Et ça, je l'ai dit pour tous les admissibles qui vont venir, j'espère qu'ils vont les sentir. On a un esprit avec nos admisseurs, ils sont heureux quand même, ils sont super heureux. Ils sont heureux d'être chez nous, ils sont fiers d'être chez nous. Nous, on est fiers de les avoir avec nous.
Et ça, c'est super important à les souligner. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce qui transparaît, en tout cas, quand on discute avec les étudiants. Donc, au moins, ça va, t'es raccord de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour l'ensemble de tes réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On mettra plein de liens dans la description sur tous les sujets qu'on a pu évoquer avec Miguel. Ouais. Donc, n'hésitez pas aussi à les regarder. Bon courage pour les oraux, à TBC Education ou ailleurs. Et surtout, à très bientôt sur Major Prépa.